Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Michel Ange de Lumière. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre pour les signes des cancers. Alors j'ai utilisé l'oracle des fées et le message de vos anges. Nous allons passer immédiatement à l'interprétation de la carte pour les cancers. Alors nous avons une magnifique carte qui nous dit acceptez vos sentiments. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? On nous dit les cancers d'être honnête avec vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Cette carte indique que vous vous cachez quelque chose à vous-même. De quoi s'agit-il? Interrogez-vous, mes chers cancers. Vos émotions sont réelles et précises et elles essaient d'attirer votre attention. Reconnaissez vos sentiments les plus intimes dès maintenant. Être honnête envers soi-même ne présente aucun danger. Vos vrais sentiments constituent la boussole qui vous indique la direction à prendre et qui vous guide jusqu'aux réponses que vous cherchez. Ayez confiance en vous. Tout changement de votre part se fera harmonieusement. Vous ne regretterez pas d'avoir accepté ce que vous ressentez. Qu'est-ce que signifie aussi cette carte? Elle nous dit de laisser les autres apprendre à connaître votre vrai moi. Persévérez votre intégrité en suivant le chemin que vous savez être le bon pour vous. Soyez vous-même et affrontez vos peurs, mes chers cancers. C'est quand même une magnifique carte, hein. N'ayez pas peur. Ensuite, on nous dit avec le message des anges, j'ai pioché la carte Isabelle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, Isabelle? Eh bien, on va voir immédiatement son message. Alors, Isabelle dit oui, c'est le moment. Et le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Ça confirme bien la première carte. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Eh bien, pour répondre à votre question, oui, la situation se présente comme vous l'espériez. Garder les yeux ouverts et prier les anges de vous assister demeure une bonne idée. Même les situations idéales ont besoin de quelques ajustements. Toutefois, nous les anges ne voyons pas d'obstacle à cette situation. La conjoncture rend cette opportunité encore plus favorable. Plusieurs pièces du puzzle sont aujourd'hui à leur place. Vous avez appris de grandes leçons et vous êtes prêts ou prêtes. Votre impatience à payer et voici venue l'heure des récompenses. Soyez audacieux et audacieuses et laissez-vous guider par votre cœur et avancez sans crainte. C'est quand même une superbe guidance pour vous les cancers. Alors je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à très bientôt.